Of dat is een video op Roblox, een video de skincare routine, skincare tips. En voor dat, j'ai bringé friend with me. On a vraiment deux peaux différentes, donc on va vraiment vous expliquer ce que nous on fait pour nos problèmes de peau. Vous allez vous sentir interpellé par une de nos deux routines, un de nos deux problèmes de peau, que vous allez pouvoir en apprendre plus. En apprendre plus, puis vous sentir. Donc j'espère qu'une de nos deux routines va correspondre avec votre problème de peau et vous allez pouvoir en retirer des bons tips. Let's jump into it, man! Let's do this! Ok. Attends, mais parce qu'on a deux routines différentes, fait faut expliquer qu'on a deux routines. Bon, on a deux routines différentes. Allez, bref, on a deux routines différentes. So, on a deux problèmes de peau différents parce qu'on a deux peaux complètement différentes. En ce moment, elle est en train de faire un traitement vraiment asséchant pour sa peau et moi, ben, je fais juste pisser l'huile. J'ai aussi des problèmes d'acné. Fait que peau huileuse et peau sèche pour moi. Yeah. Skincare routine 101. Pour les nuls. Pour les nuls. Ouais, finalement. Que tu mets pas ta peau. Tu te démaquilles, après ça on se lave le visage, on scrub si cette journée-là je scrub parce que je scrub une à trois fois par semaine, indépendant. Après ça, je tourne la face avec un toner, t'as bien raison. Ok. Fait que spunk. tu démaquilles, après ça tu nettoies ta peau, après ça tu tournes. Tu tournes ta face, après ça tu mets un sérum. Une huile, après ça, ta crème hydratante et après ça, you're good for the night. Pas de maquillage. Pas de maquillage. J'ai oublié chez moi. C'est pas de maquillage. Ben, mais j'ai utilisé le matin. Ben, ok, pas ça. C'est des maquillages le matin, ça? Non. Tu veux pas me dire? J'ai des Moi, le démaquillant que j'utilise, c'est le Take the Day Off de Clinique, qui est un démaquillant, un baume démaquillant, dans le fond, qui est fait avec beaucoup de huile de coconut. Dans le baume, tu te fous dans face pour te démaquiller. Le baume se transforme en huile parce qu'avec le contact et la chaleur de ta peau, l'huile de coco se transforme en huile. Et après ça, quand tu rajoutes de l'eau, ça se transforme en lait. Puis ça take tout le make-up off. Puis la raison pour laquelle j'aime autant, c'est que je peux frotter mes yeux comme une débile mentale. Puis ça irritera jamais mes yeux. Moi, j'utilise des lingettes démaquillantes la nuit. Sauf le matin, j'aime bien utiliser le Bioderma Sensibio H2O. C'est vraiment ça qui est marqué. Solution micellaire démaquillante. Je mets sur un tampon démaquillant et je le frotte dans ma face. Ok, ça c'est ce que moi je prends pour me laver le visage. C'est Retin-Line Luxury Skincare. Gently dissolve pore clogging oil and dirt for a clearer complexion. Ultimate anti-blemish face wash and oil control. Bref, c'est vraiment compliqué. Moi ça vient de la pharmacie. C'est quand même assez abordable. Ça semble. C'est de la marque Aven. C'est une crème lavante apaisante sans savon. Je sais pas pourquoi. C'est pour les peaux sous traitement desséchant et irritant. Fait que si vous êtes sous des médications ou des traitements topiques du dermatologue, c'est pour vous et pour moi. Si vous faites un scrub, parce que vous êtes supposé exfolier votre visage une à trois fois par semaine? Oui. Selon votre sensibilité. J'approuve! Oui! En ce moment, mon gros genre, mon amour comme de vie, c'est genre les Peter Thomas Roth Peeling Gel. Tu veux-tu essayer? Non! Girl! Essaye, man! En vrai? Oh. Et c'est le meurtre de ta peau, genre, se mettre en mouton. Ah ouais? Ouais, c'est dégueulasse, mais c'est fucking nice! C'est genre, je tombe en amour avec quand elle a fait ce programme, elle a fait essayer. Moi, ouais, j'ai... Gommage sur fin physiologique de La Roche-Posay qui se trouve en pharmacie, encore pas. C'est pour les peaux sensibles, en des graines très douces comme on peut dire. C'est une fille de la pharmacie qui me l'a recommandé, je pourrais pas dire son nom. Je veux pas vous la recommander, je vous recommande la fille à la pharmacie. J'ai une peau très sèche, elle a tendance à s'écailler, puis c'est pas très beau avec du maquillage. Les masques, ce qui est... ça aussi c'est genre une à deux à trois fois par semaine. Ouais, tu fais ça après t'être nettoyé le visage, tu peux faire un masque parce que, ouais, c'est ça. Moi j'aime ça faire un masque après un scrub. Le hop!
C'est des hopes de philosophie. Le Renewed Hope in a Jar de philosophie qui vient de Sephora, qui est quand même assez cher, mais c'est vraiment... Je vais te faire un petit peu. C'est vraiment une texture très... très crémeuse, mais d'une autre manière... Ouais, on dirait du crémage, c'est vraiment comme on dirait des nuages quasiment. Là. Oh my god! Ouais, puis ça rend ta peau tellement douce, on dirait que t'as du velours. Sérieusement, ouais. C'est vraiment le meilleur masque hydratant à vie, genre. Ok, moi c'est vraiment pas... Elsa, tu as plus des masques genre apaisants, hydratants, moi c'est genre... Clear les pores! J'en ai trois. Lui c'est... Aussi c'est fucking trendy sur internet, c'est aussi apparemment, hein. C'est Indian Healing Clay World... Tu sais genre, ok. Eux, même pas avec la patente, c'est World's Most Powerful Facial. On se capte, le bon, il capote là. Ouais, fait que moi, ce que je fais avec ça, c'est que ça, c'est vraiment juste la gifle comme ça en poudre. Tu peux mélanger avec de l'eau, mais moi, ce que je fais personnellement, c'est que je mélange avec du vinaigre de cidre de pomme. Aussi, c'est vraiment un produit super versatile avec le vinaigre de cidre de pomme. Ça vient vraiment nettoyer en profondeur, mais c'est aussi bon pour la peau. Ça a des propriétés apaisantes et tout est chic. So, je le recommande. Le deuxième, c'est, vous pouvez l'acheter au Sephora, c'est le masque purifiant au charbon actif de Origine. C'est un masque qui va venir soulever tout ce qui reste dans les pores. Je vais nettoyer mon visage, aller vider ce qui restait dans mes pores avec ça pour que ça soulève. Puis après ça, j'aime ça aussi faire un scrub, prendre un tampon avec rien dessus, whatever, genre avec mon tonneau pour venir enlever tout ce que ça l'a soulevé. Pas juste comme soulever avec le masque, genre. Non mais soulever ce qu'il y a dans mes pores, comme le laisser là, là. Et le dernier, c'est le peeling masque. Ça aussi, c'est vraiment trendy sur internet. C'est pas nécessairement lui, parce que si vous regardez bien, il est écrit en japonais dessus. Comment t'as fait pour savoir comment ça marche? Je l'ai guessé, man. Ça a l'air de ça ici, là. Tu mets sur ta peau, t'attends que ça sèche, après ça tu peels le masque puis tu vois toutes les imperfections, impuretés, toutes même. Ouais. Donc c'est des peeling masques, c'est vraiment nice, ça vient vraiment tout enlever les impuretés qui restent cloguées dans tes pores, man. J'ai la brosse clarissonnée, c'est pour la... Quoi? Brosse nettoyante, j'utilise pour laver mon visage. Il y a beaucoup de monde qui en parle sur internet. C'est vraiment comme trendy, ça se vend au Sephora, même au Pharmaprix maintenant. Au coût de 800$. Non, c'est 200$, c'est quand même cher. Mais si t'as le poids à problème, si t'as pas de problème, achète pas ça, mais... t'as plein de brosses pour différents types de peau. Puis t'as aussi deux vitesses. T'as la vitesse lente. Ça c'est lent? Ouais! Puis t'as la vitesse vraiment rapide. Mais en fait, c'est plutôt... c'est encore mouillé. Ouais, c'est encore mouillé! La brosse pour nettoyer. Puis c'est ça. C'est mon petit bébé. Pour les huiles, dans le fond. Ouais. Fait que moi, celle que je vais parler qui est la sienne, parce que. Yeah, whatever. c'est la Fresh Sea Berry Moisturizing Face Oil. 100% pure moisturizer. Non, 100% pure moisture. Ouais. With sea buckthorn oil. What the fuck? Et si bien, bah, je sais pas, mais bon, quoi, marquer si bon tour. Ok, on va le faire. C'est nul la face, nul la face. Oui. C'est beau ça. Nul la face! Face à l'huile? Non, face à l'huile. Ça, c'est moi, mon affaire à l'huile. Je peux pas dire si je recommande, j'ai jamais utilisé ma vie. J'en recommande. Ouais. J'aime mieux celle-là, honnêtement, j'aime mieux celle-là que elle de Josie Maran pour la simple raison que je trouve qu'elle, elle hydrate plus, puis elle fait moins gras. 60. Oh my god! Je pense! Il y a beaucoup de crèmes hydratantes qui ont un pourcentage vraiment minime d'ingrédients hydratants, puis le reste c'est juste comme rempli avec de l'eau ou bien des produits avec comme de la gelée de pétrole. Faut faire attention. La roche posée, c'est vraiment ce que je préfère le plus. Je suis pas sponsor par personne. Le sujet en ce moment, c'est Hydraphase Intense Riche. La peau grasse. Pas plus faut que tu hydrates, mais il faut vraiment que tu hydrates bien parce que sinon ta peau va décider de produire encore plus d'huile pour comme compenser le fait que tu la sèches. C'est ça, fait que ouais, fait que je la recommande vraiment, même pour les gens qui font de l'acné ou qui en ont pas du tout. En fait, les trois dernières affaires, c'est les masques que je me mets à la fin, que je mets soit overnight whatsoever. Il y en a deux, c'est que j'utilise overnight. Un masque clarifiant au soufre colloïdal, whatever, c'est de Dr. Dennis Gross. Un masque au soufre, ça peut, c'est pas nécessairement un masque, tu peux l'utiliser plus épais pendant la nuit pour faire un effet masque, mais tu peux aussi l'utiliser en dessous de ton maquillage comme un base, ou tout ça, c'est ce qu'ils disent, mais niveau, fais pas ça. Ça m'a vraiment aidé pour aider avec mes points noirs. J'ai beaucoup avec ma texture de peau, fait que je le recommande si vous avez des problèmes de texture de peau parce que vous avez genre des imperfections partout.
Deuxième, c'est un sample que j'ai commandé, mais que c'est sûr que j'allais m'acheter le gros quand je l'aurai fini. C'est un masque overnight de la neige. Fait que c'est un masque hydratant, ça j'aime ça vraiment parce que vu que j'ai la peau grasse pis tout, des fois on skip un peu l'hydratant. Le lendemain, je sens ma peau est full comme plus ferme pis tout bien hydratée pis super douce. So I'm really loving it. Et la dernière chose que je veux parler, quand tu fais de l'acné, ta peau qui réagit en enflant à une bactérie quelconque. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment calmer l'inflammation. Des produits naturels qui peuvent empêcher, qui sont antibactériens naturellement et qui peuvent aussi empêcher l'inflammation et qu'on retrouve beaucoup dans la crème qu'on met sur les fesses de bébé. Désitin, concentration maximale. Je l'ai utilisé parce que c'est 40% d'oxyde de zinc qui est l'ingrédient naturel antibactérien et anti-inflammatoire. Et aussi parce que le restant, c'est de l'huile de foie de morue qui est bon pour l'élasticité de la peau et l'hydratation. Parce que les autres produits qu'il y avait sur le marché quand je suis allée checker la semaine passée, ou la semaine d'avant, whatever, pour aller m'acheter ça, c'était comme 40% d'oxyde de zinc, puis le reste c'était gelée de pétrole qui est de la vaseline, puis je voulais pas me foutre ça en face, fait que j'ai pris celle avec l'huile de foie de morue. Moi j'aimais overnight. Dans le même, là, quand tu l'étends, là, c'est encore pire. Le lendemain, je me réveille puis ma peau est vraiment, vraiment apaisée puis vraiment moins rouge. Donc quand ma peau a réagi à plein d'affaires puis qu'elle est dégueu, ben là, je me laisse pendant la nuit puis le lendemain, je me réveille et elle est marvelous. Comme neuve. C'est tout pour notre vidéo de skincare. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant, qu'une des deux routines où on puisse s'adapter avec vos problèmes de peau. C'est toujours le sur Instagram et sur Snapchat. Likez la vidéo, même. On vous aime.